Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un random rush contre notre adversaire Fitzadri, comment vas-tu frérot? Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez très bien. Rebonjour mon cher Soso, je vais super bien et je suis là aujourd'hui pour ressortir vainqueur. Ah ouais, pour ressortir vainqueur. Donc les amis, c'est le match retour du premier Random Rush qui a déjà eu lieu sur la chaîne de Fitz. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller le voir. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et croyez-moi, c'était plutôt intéressant. Donc voilà, match retour. Comme vous le savez, pour tous ceux et celles qui ont déjà vu la vidéo sur la chaîne de Fitz, on fait team Métis contre la team Regen parce qu'il y avait eu le Boutenks et le Gohan San ultime qui étaient sortis lors des portails, les fameux persos que je n'ai pas eu. Hein. Après 12 000 cristaux, vous le savez très bien. Par contre, Lulu, voilà, Ludivine, elle, vous le savez, les singles, elle les a sortis comme ça. Même Fitz, il n'avait pas bien compris tout à l'heure, il a dit « Ah ouais, elle a eu 6 étoiles juste en single. » Oui, oui, elle a eu 6 étoiles juste en single. Pas compris. Voilà, je comprends toujours pas. D'ailleurs, c'est un truc de fou, comme d'habitude, les amis. On sait très bien que vous kiffez ce concept, donc déjà merci à vous pour la force que vous nous donnez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pareil aussi à la chaîne de Fitzadri. Hein. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Ça soutient et c'est en mode Genkidama. Est-ce que tu es prêt, frérot? Écoute, moi je suis archi prêt pour aller dans ce combat. Je joue Regen, du coup, ici. Ok, moi Métis, du coup, je vais jouer la team Métis. Parce que du coup, c'est ce que j'ai déjà joué, la team Regen. Et Fitz avait la team Métis lors de la première vidéo. Soso, aucune chance d'avoir le nouveau ultimate Gohan, par contre. Ah bah non, moi pour le coup, aucune chance. Non, non. Ouais. Et même dans les portails invocation, il n'y avait aucune chance. Hein. Le jeu, visiblement. Zombie. Il m'a dit, c'est seulement. Ah, j'ai galéré aussi, hein. J'ai galéré à avoir, laisse tomber. 12 000 cristaux. Par contre. Là où on fait bien également de le dire, Majin Vegeta, LF qui arrive. Au cas où, si vous avez loupé cette information, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux ou quoi, ou vous n'avez pas eu le temps d'aller voir les infos, Majin Vegeta, Legendary Finish, qui va arriver semaine prochaine, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Sans doute semaine prochaine, donc tous les fans de Vegeta, on espère que vous allez être super contents. À mon avis, il va être respecté à l'infini, le Majin Vegeta, je le sens, mais magnifique. Les gars, en mode DZ, vous savez très bien, là par contre, là c'est nos limites. Le banquier, pas de banquier, j'ai rien à foutre. Là c'est nos limites, les gars. Là il le faut, le Majin Vegeta. La patrie avant tout, là. Ah là, c'est bon, là, faut pas. On rigole pas avec Vegeta, les gars. Ok, bon, es-tu prêt, mon frérot? Je suis super prêt, 9 lignes tous les deux, c'est ça, je crois? Exactement, on a 9 lignes tous les deux, donc pas de retirage. Si vous voyez que nos persos ne sont pas à 5000, c'est normal. Pour un meilleur mélange, on est en vitesse de régénération de ki. Donc voilà. Eh bah écoute, vas-y, je te laisse tirer pour moi, tiens. Allez, bah tu vas aller à la ligne 5. Ok. Et tu vas prendre le perso numéro 3. Ok, c'est le Gotenks de type violet, il est 7 étoiles. Pourquoi pas un jour qu'il ait un Zenkai, ça pourrait être le cas. Donc, ouais, ça pourrait être le cas, ouais, pour un Zenkai. Mais alors là, il est nul à chier, je te le dis. Hein. Ouais, pour le coup, c'est vrai. Alors... Clairement, non. Honnêtement, le perso souffre énormément. Il est vite fait fort au début, puis c'est tout. Merci de me remonter le moral. Hein. Ok, du coup, alors, ligne 4. Ok. Perso 3. Oh, Janemba EX. Ah, bah, faut voir. En vrai, ce personnage, il est pas mauvais, mais faut des verts, quoi. C'est ça, c'est ça. Faut des persos verts pour que ça cogne bien. Pour avoir du pep, c'est un peu. Ligne 2 pour toi, Soso, et perso numéro 4. De 4. Ok, le Gohan futur de type vert, celui-là, il est plutôt bien. On n'a pas les mêmes, hein. Ouais. On n'a pas les mêmes, ouais. Pour le coup, il est plutôt bien. En plus, il est quand même pas mal d'étoiles. Il a combien, là? Il a 10, il a 11 étoiles. Donc, il est bien. Transforme. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Surtout s'il reste le seul survivant à la fin, si je dis pas de bêtises. Oui. Il cogne plutôt bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Imagine humilié par mon personnage préféré. ça serait incroyable, quand même. Sait-on jamais. On va voir. Ok. Alors, ligne 8, perso. Okay. Frida 3. C'est le rouge. Alors, okay. Pourquoi il y a beaucoup d'étoiles. Mais le problème, c'est que c'est un cyborg. Et Mirai Gohan vert, il a plus, je crois, 50% de dégâts contre les cyborgs. Ouais. Donc, ça peut faire très mal, là, potentiellement. Sachant que Mirai, il fait mal. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'est pas trop mal. Pour nous. Ouais,
Ça peut être bien, ça peut être un très bon pick pour toi. En l'occurrence, pour moi, faut voir, je sais pas, je suis pas super content de l'avoir, ce sel rouge, on verra bien. C'est vrai, le jaune aurait fini. Ligne 7 pour toi, le jaune aurait été mieux, ouais, bien sûr. Ligne 7, ok, 4, 5. Et le 1 7. De la ligne 7. Ok, alors là, par contre, c'est éclatable, c'est le Gohan EX rouge. Bon, il y a quand même des petites étoiles, faut voir ce que ça donne. Honnêtement, je crois que je l'ai jamais joué, je sais même pas ce qu'il a comme stats ou quoi. Ouais, bah moi non plus, franchement, voilà, je crois que je l'ai jamais joué, honnêtement. Voilà. Donc, alors, surprise. Ligne 6, ouais. Perso Uno. Oula, j'ai bien vu là. 1, 2, 3, 4. Gata Isamasu, 12 étoiles qui tombent dans ce tirage. Ah là, oui, là tu me parles. Là, ce sont tu. Français, je comprends. Français, je comprends. Pas de soucis. Oh là 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 là. Ah bah la puissance des dieux là. Ah là, je suis mal, les gars. Ah là, je suis mal. Ça m'est très très bien. Merci, Soso. Merci. Ah bah de rien. Ah bah de rien. Allez, j'espère. Okay. Attends, je vais tirer un bon perso là, tu vois. Ligne 3. Et perso numéro 3, je le sens bien celui-là. 3. Ok, c'est le Guan Transfo de type je ne sais. Bah c'est bien. Pour contrer Gataï, c'est plutôt bien. Ah, ouais, pour contrer Gataï, c'est plutôt bien, c'est vrai. Mais encore faut-il que voilà, qu'il soit dans la bonne game et tout ça. Bon. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais bon, ouais, non, c'est pas mal quand même. Ouais, non, c'est pas mal quand même, c'est vrai. C'est un bon pick. Ok. Ligne 7. Perso 2. Mince. Alors attends, j'ai fait n'importe quoi. 4, 5, 6. Attends, quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evil Boo EX, pourquoi pas, c'est pas okay. Un mauvais EX, le okay. Evil Boo EX, donc ouais, je, okay. Ça va, je suis content, c'est ok. Pas mal. Ligne 2, et okay. Perso numéro 3. Ok, le Gotenks de type jaune. Bon, c'est pas. En plus, il est pas étoilé lui. En vrai, la Kabze. Ah, mais non, il est pas 6 étoiles ? Non, il est 3 étoiles. Ah. Donc, j'ai pas la Kabze qu'il faut. Dommage. C'est ça. Sensation, aujourd'hui, ça fait au moins une bonne Kabze. Mais du coup, elle a pas terrible. Exactement. Okay. Ok, du coup, pour toi, ligne. Eh bien, 7. Perso, ouais. 4. Ah. Ah ouais, bon, bof quand même, Piccolo EX jaune. Ah, il a quand même des étoiles, 14 étoiles quand même. 14 étoiles, tu sais qu'il est pas si mauvais que ça en plus, hein, la vérité. Ouais. Tu verras dans les games, il est pas si mauvais que ça. C'est mais bon, il y avait peut-être mieux à tirer dans les régènes quand même, mais ça va, oui. Ça va, c'est ok. Non, en soi, ça va. En soi, franchement, ça va parce que du coup, tu vois, par exemple, mon Gotenks de type violet, face à ton Piccolo EX qui est 14 étoiles, il y a moyen qu'il fasse des dégâts quand même, le Piccolo, là. Ça peut faire très vite très mal. Alors ouais, pour toi, ça sera ligne 1 et perso numéro 4. Ok, c'est le Gohan SSJ2 de type bleu. Pourquoi pas, c'est pas le meilleur, mais pourquoi pas. Ça peut être intéressant. C'est pas le pire. Voilà. Tu sais, c'est le genre de perso que je trouve bon en random rush quand même. Parce qu'ils ont les stats, ils cover, tu vois, c'est ok quoi. C'est vrai. Okay. Bon, bah, ok, perso pour toi. Alors, ligne 6. Ouais. Perso 4. Ouais, j'ai beaucoup de EX encore une fois. Hein. Ouais, pas mal de EX. Beaucoup de EX, hein. Le bou, le fat bou. Ouais, ton Gata Isamatsu, il remonte tout ça là. Ton Gata Isamatsu, il remonte tout ça. J'espère, on va voir. Je sais pas. Franchement, je m'en rends pas compte. Enfin, oui, Gata il remonte, mais est-ce qu'il va servir à carry tout le reste ? On va voir. Alors, moi, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais monter mon Gohan EX que je n'ai jamais joué. Je sais même pas ce que ça va donner. Je vais dire un peu aussi, vite fait, les stats. EX, là, et du coup, on se retrouve juste après là pour. Le fight to do. Yes. Nous voici de retour les amis pour la bagarre cette fois-ci en random battle chelou avec le frérot Fitz. Ça y est, on a monté nos EX, etc. qui n'étaient pas montés. Au moins comme ça, on n'est pas désavantagé l'un et de l'autre. Et nos sparking même. Parce que c'est le rouge que j'avais pas joué depuis 2 ans. Autant vous dire qu'il n'était pas monté. Très clairement. Moi, je suis tombé contre un faux Sofiane le Geek en fait hier. Ah ouais ? Un faux Sofiane le Geek. Ouais. Et c'est en showcase d'ailleurs, je tombe contre un mec qui s'appelle Sofiane le Geek. Et j'ai vu Trunks Ikari... 6 étoiles, je crois. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Le mien, il a 12 étoiles. Ouais, je sais bien, je fais. C'est pas lui. Et c'est sûr, c'est pas lui. Moi, je tente le beau jeu, mec. Hein. Je te le dis, vu la team que j'ai, c'est parti, on tente le beau jeu. Vas-y. Pareil, j'ai hésité avec deux choix, mais vas-y, on va faire ça. On essaye à chaque fois, les gars, la stratégie. On verra bien ce que ça va donner.
Alors moi, je suis ni parti en mode meilleur team, ni pire team. Je suis parti en mode, bah tu vas voir ça tout de suite, la petite surprise. Bonne chance, Soso. Ouais, comme moi. En blue purple. Ok, parti. Et moi jaune. Pourquoi pas? Ouais, parce que je savais très bien que j'allais mettre le Gatai. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu absolument mettre deux jaunes. Ouais, forcément, t'as bien fait, je pense. Mais bon, ton Gotenks. Ouais, c'est le Gotenks, il va pas être foufou. Je sais pas ce qu'il va contrer le Gotenks, hein, mais. Pour contrer le Gatai, ça va être compliqué. Par contre, le Gohan, ça peut aller vite. Ouais. Attention, le Gotenks, il va prendre cher. Oh, ok, ouais, il prend cher. Effectivement. Ok. Ok. Oh, allez. Déjà ? Oui, déjà, monsieur. Oh, déjà c'est vrai, la cover. Bien wesh, ça. Oh, on se demande qui a l'avantage, Flip. Hein. Oh là, qu'est-ce qu'il fait mal. On se demande sincèrement qui a l'avantage, type entre les deux. Ah, Gatai 12 étoiles, les gars. Ah, il fait mal de fou. Ah, allez, let's go. Je le contrôle pas. Ok. Bon, déjà, je préfère perdre le Gotenks que le Gohan. Exactement. Tu m'étonnes. Ok. Allez, let's go. Bagarre. Le bout, il est tellement énorme que je vois pas où t'es. Oui, j'ai encore réussi le clash. Ah, les clashs, les fameux. Allez. Oh, la transfo du Gohan. Let's go. Ah, bien. Ah, c'est parti. Pas mal, ça. Et il fait des bons petits dégâts, mine de rien. Ouais. J'ai pas esquive. Ah, je pensais que t'allais foncer dedans. Ah si, il avait. Ah, je t'avais pas vu avancer. Je l'ai pris de plein fouet. Je l'ai pas vu venir, honnêtement. Wouah, les dégâts. Poum. Mais attends, mais. Poum. Oh, ce qu'il a pris, le bout. Ah, le bout, il a pris pour son grade. Hein. Ah, le bout. Le bout, pour le coup, ça aussi, ça a piqué un peu. Ça devrait piquer un peu le main, là, bim, avec l'attaque ultime. Ah, mais il est 14 étoiles, donc ça va, ouais. J'avoue que ça va. Je pensais prendre plus que ça. Et par contre, le Gohan jaune, hein. Quel play. Iiii. Oh. Non. Okay. Allez. Ok. Là, faut que je le contre, sinon je suis mal. Clairement. Yes. Oh, purée. On est mal, les gars. Allez. Très, très mal. Mais c'est pas fini. Ah, pas mal, ça. Ok. Ah ouais, bien wesh. Yes. Bien wesh, GG. GG à fit. C'était chaud, mais les random rush ont carry là. Le random rush, les rising rush. C'est pas la même chose. Ouais, GG à toi. J'arrivais pas à placer mon rising rush à avoir la dernière Dragon Ball. Je sais pas si vous avez vu, les amis, c'était un truc de ouf. Mais GG à toi. J'irai voir ça sur le retour du coup, parce que je me rends pas compte comme ça. Mais ah, c'était compliqué, mais en vrai, là où je me suis mis bien, c'est que bah ton Gotenks, t'aurais pu placer le stun, ça aurait été très fort, mais il tankait pas, quoi, le pauvre. Il tankait pas, il a que 3 étoiles. Voilà, moi je me suis dit, je vais déclencher l'ultime. Après, c'est vrai, j'ai renchaîné avec une strike, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû mettre directement le main, parce que l'ultime, du coup, la cover de Gatai, bah du coup, m'a stoppé. Ah, c'était qui tout double en fait, hein. Moi j'ai tenté. Exactement. La cover, parce que si ça passe, je suis bien, et ouais. Si tu me stun, je suis dans la merde. Mais il fallait tenter, je pense, tu vois. Ouais. Et le risque à payer, ça va. Ok. Bon, et bah du coup, bah là, pas de surprise, hein. On sait comment qu'on va partir. Tac, tac, tac. Ouais, et alors là, par contre, ton vieux Gotenks violet face à mes deux jaunes, il va s'amuser, je pense, hein. Bah, il va jongler. Ouais, je pense qu'il va s'amuser. Et alors, il y a peut-être un truc qui peut te mettre bien, c'est le fait que, comme je disais tout à l'heure, Mirai Gohan a un bonus face au cyborg, ouais. Face à mon Cell, mais Cell a un bonus face au Super Saiyan. Donc, Ah! Ça, je savais plus, j'avais complètement zappé. Comme on joue pas le Sparking Rouge, oui. De Cell. Ah ouais! Ok. Il a un petit bonus. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais il a un petit bonus.
Et avec 14 étoiles, mine de rien, ça peut... Oh, okay. Il a fait une feat. Ah oui. Il a fait une feat. Là, pour le coup, oui. Waouh. Super bon, ouais. Ces dégâts. IX contre IX, forcément. Ouais. C'est plutôt pas mal, là. Ça tape que dalle, quoi. Ok. Garigouane. Okay. Et forcément, il fait mal, Mirigoan, de manière assez logique. Okay. Ah ouais, non, mais celle, il est déchétral, celle. c'est terrible, là, ce que je suis en train de voir, là. Ah, c'est pas le seul perfect, hein. Ah non, clairement pas, ouais. Ouais, je préfère le mettre un peu à l'abri. Bon, Gotenks, il devrait prendre des dégâts, quand même. Ouais, ouais, Gotenks, ouais. Lui, mais il tape 0. Ça va piquer. Attends, je suis obligé. Ouh. Ah, il était bien timé, celui-là. Bien wesh. Très bien wesh là-dessus. Timé, mais ouais. Ouais, voilà quoi. Ah là là, ça va être chaud. Ah ouais, je le contre pas. Ouais, mais je sais pas si je suis honnêtement, t'es mal les dégâts. Ouais, si, je pense que ça va tuer quand même. Ah, quoique. Ah ouais, non, il reste 304 PV. Allez, moins 1. Ah, c'est ah, sûr que... Ah, wesh ça. Ouais, ils font vraiment des dégâts, ces escrocs. Non! Parfait. Oh les gars, comment je suis deg. Je voulais mettre une blast, ça a appuyé le Rising Rush. Comment je suis deg. Ah, bien joué ça par contre. Hop. Ah, ça c'est très bien joué. Et franchement, t'as pas perdu parce que lui, ce perso il est tellement fort, il peut le clutcher encore. Il peut clutcher. Je préfère le garder pour la fin. Ah là, je suis deg pour mon Rising Rush. Gotenks, bon voilà quoi. Ok, Gotenks. Par contre, Mirigoan, hein, c'est pas les mêmes dégâts. Hein. Mais Mirigoan, il est temps d'en finir avec lui. Ah ouais, là ça va piquer. Ah ouais, okay. Là ça pique. Ok. Bien joué ça aussi, cette open là, agressif. Mais bon, face aux deux jaunes qui restent, ça va être très dur. Ça va être trop tendu. On donne tout, mais les gars, vous savez très bien que là, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Ah ouais. Terminé. On va finir avec un Kamehameha. Terminé. Boum. GG à toi, Soso. GG à toi. Je pense que le Mirigoan aurait pu te sauver, franchement. Avec la carte verte, en plus, là, ça m'a mis un peu dans le mal. Mais bon, j'ai réussi à le prendre, heureusement, parce que sinon... J'aurais pas cliqué le Rising Rush à la place de la Blast, les amis. Vous voyez ou pas ouais, d'avoir des gros doigts, là. Ça, vous voyez ou pas d'avoir des gros doigts, là, sur un téléphone, là. Mais bon, non, GG à toi, Fitz. Il a très bien joué, comme d'hab. Franchement, gros GG. Bah voilà, quoi. Voilà. En fait, tu sais, quand je t'ai vu faire l'aspect, à la base, j'étais parti pour l'esquiver et j'ai vu que j'avais plus le timing. Ouais. Je me suis dit, bah vas-y, on va l'encaisser, l'aspect de Mirigoan. Et quand j'ai vu le Rising Rush derrière, j'ai fait, oh, c'est parfait. C'est royal, tu vois. Je me suis dit, let's go, quoi. C'est, bah, tu m'étonnes que c'est royal, bien sûr que c'est royal. Parce que voilà, du coup, c'est vrai que je prenais un gros avantage à partir de là. Ah, c'est clair. En tout cas, voilà les amis, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, à réagir dans les commentaires, à passer sur la chaîne de Fitzadri, le lien est dans la description. Ouais. Et n'hésitez pas, encore une fois, au cas où, si vous n'avez pas vu la première game de ce Rising Rush, j'allais dire de ce Random Rush, eh bien, allez-y, tout est sur la chaîne de Fitz. Ça m'a fait plaisir, frérot, de faire ce Random Rush une fois de plus avec toi. Et puis, bah... À la prochaine, comme plaisir partagé, mon cher Soso. Plaisir partagé. Et puis, franchement, bah, on espère que vous kiffez vraiment. C'est le principal pour nous. Vous avez vu, mine de rien, ça donne quand même lieu à des teams improbables. Hein, genre... pour le coup, elles sont improbables, c'est clair. Là, je crois qu'on a jamais fait des teams aussi
what the fuck entre guillemets que là, mais bon, on arrive à montrer quand même des jolies choses et ça reste le principal, et puis on espère vraiment que vous kiffez, voilà. Bien entendu. On est là pour kiffer les amis, et comme on le dit tout le temps, la passion passe après les priorités. Allez, ciao. Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super.